Le japap. Le japap. Venez. On donne l'info. On va boire absolument un petit jus là. Voilà. Salut, salut. Salut à tout le monde. J'étais en train de m'apprêter pour faire ma vidéo sur l'affaire compresseur. Vous savez, la semaine-ci, c'était après le deuil de Pamela. Bon, le deuil n'est pas encore terminé. Après la semaine où on a beaucoup parlé de Pamela, la semaine dernière, dans la semaine-ci, on a souffert. Et quand j'ai même posté un moment que, mais c'est grave. Il y a pas le japap sur la toile. Les stars Brakata ont donné tellement d'énergie sur l'affaire Pamela qu'elles étaient fatiguées. Il n'y avait rien. J'ai pavané sur la toile quand ma part est venue. Elle dit que oh, le tout, c'est. Et là, moi, ça m'a mouru comme ça. Là. Je vais faire un post là-dessus, bien sûr. Maintenant, c'est sorti. Flo Elie sort là. Elle prend la télécommande, elle appuie sur compresseur. Et avant que Flo Elie ne fasse sa sortie, j'avais déjà vu le post. Il y avait un post des abeilles là sur la toile qui racontait comment. On a bastonné compresseur, elle sortait avec un homme marié, ceci, cela, Achille Dicalo, après est venu, il a framponné et tout et tout. Tout ce que Florie a raconté là, il regroupait les informations, je recoupais. Voilà donc, je voulais faire ma vidéo maintenant, cela, pour la poster, parce que vous allez recevoir la vidéo dans peut-être une heure de temps. Je pars sur la page du gars de compresseur, pour voir aussi ce qui se dit là-bas. Il tombe sur un message, Achille Dicalo. Il répond à compresseur, il répond à Fleur de Lune. Mais avant ça, tout ce qui s'est dit, c'est quoi? C'est que Fleur, compresseur sortait avec un homme marié. C'était un gars noir aussi. Et il y avait un deuil là, au quartier là-bas à Rouen. Le gars voulait partir, la fille voulait partir là-bas, compresseur voulait partir là-bas. Et le gars a refusé. Sachant que c'est le gars qui louait d'abord la maison à compresseur et elle payait par nature. Donc ça, c'est le résumé rapidement. Elle payait par nature. Donc, le gars a dit à compresseur que tu ne peux pas venir à la veillée parce qu'il y a ma femme qui est là et tout. Compresseur a forcé, d'après ce que Flo lui a raconté, parce que tout ce qu'il vous dit là, moi, c'est ce qu'elle suivi dans le direct de Flo de Lille. Je n'ai pas appris ça sur une autre place. Et le gars a dit que non, compresseur, tu ne peux pas venir ici, machin. Compresseur a commencé à arrêter le gars comme si on était au quartier et tout et tout. Le gars, il a massacré et il est parti enfermer compresseur. C'est comme ça qu'elle a appelé la police ou quoi. Après ça, c'est Achille aussi qui est venu à son tour. Il a framponné. Mais bref, ce n'est pas pour ça que je suis venu parler. Je vais vous lire le post d'Achille où il dit qu'il répond clairement à Fleur de Lune. Et après, il accompagne avec une photo de lui et de compresseur. Je le lis. Voilà qui s'affiche même d'ailleurs. Je viens par ce post éclaircir toutes les rumeurs qui circulent sur la toile. Notez bien que la chancelière compresseur ne sera jamais mon ennemi. C'est une femme que j'aime et j'aimerai toujours. Voilà. Je vais m'adresser à une personne en particulier, Fleur de Lune. On ne se connaît pas. Plus d'une fois, tu m'as contacté et je n'étais jamais répondu. Je ne vais me laisser. Quoi? Il écrit quoi? Et je ne me vais laisser. Que tu me mettes, bon, en tout cas, peut-être que je ne vais laisser que tu mettes mon nom dans tes directs pour régler tes comptes avec compresseur. Oui, je crois que c'est ça qu'il voulait dire. J'ai partagé ma vie avec une femme publique. J'ai accepté sa vie sans la juger, comme elle aussi, elle m'a accepté avec mes qualités et mes défauts. Nous avons une merveilleuse fille et rien que pour ça, je me dois toujours. Quoi? Je me dois toujours de la respecter. Oui, c'est ça. Vous allez m'excuser. C'est parce que j'ai ça sur un autre truc et c'est un peu petit. Quel couple ne connaît pas de bas? C'est un point d'interrogation. Il pose la question. Quel couple n'a pas de bas, comme on le dit souvent? Donc, Fleur de Lune, excuse ma vie et combat le pape. Le dis seul. Et arrête de m'inventer une vie. Il met en PS. Cherche au moins à avoir des bonnes informations à mon sujet. Et ne prononce plus jamais le nom de ma fille dans tes directs. Ce n'est pas des menaces, mais un avertissement. Merci. Voilà.
Donc, Achille est en train de faire comprendre à Fleur de Lys que c'est de trop. Parce que sur la même page, on se rappelle bien, il avait toujours posté un truc comme ça, là. Quand les rumeurs couraient qu'il était en prison et tout et tout. Il avait toujours fait un post pareil, que les gens se lèvent sur la table et disent n'importe quoi. Et pourtant, lui, il est là et tout. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il dise quelque chose. Vous savez, Achille Dicarlo, parfois, lui, il lance une vidéo et il est en voiture, ça roule seulement. Il dit rien, il met une musique et tout et tout. Mais bref, il essaie de nous faire comprendre là que ce que Fleur de Lys a raconté est faux. Ça, c'est ce qu'Achille Dicarlo essaie de nous faire comprendre. Et ce que les autres racontent est aussi faux. Mais dans ce message, ce que moi j'ai vu dans ce message, c'est que ça peut être vrai que ce qu'on a raconté c'est faux, puisque c'est ça qu'il défend. Mais il y a une chose, il y a une vérité dans ce message. Il dit bien à Fleur de Lys, cherche à combattre le 10 de Facebook, c'est-à-dire compresseur, et laisse ma fille en dehors. Ça veut dire que actuellement, Achille compresseur, ça ne donne pas. Vous comprenez un peu, c'est dans ce message que moi je découvre ça. On connaît ça depuis, mais il confirme la chose dans ce message. C'est-à-dire, il n'est plus avec compresseur en quelque sorte. Elle est dans son coin avec sa fille. Et lui, le fait qu'il soit sorti avec compresseur, ça ne veut pas dire qu'il va venir salir compresseur sur la toile. Il peut aller bastonner compresseur ou quoi. C'est ce qu'il veut par là dire. Donc, Achille confirme par ce message qu'il n'est plus rien avec compresseur. Mais ça ne veut pas dire que on doit venir parler de sa fille quand on veut salir compresseur ou quoi. Il demande à Fleur de Lys de combattre compresseur seul et de laisser son nom, lui, Achille, de côté et de sa fille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit là présentement. Donc, le message d'Achille a fait tout ce qu'il voulait dire par rapport à la bastonnade du compresseur ou pas. Et ceci, cela, on devait analyser ensemble. Tout ça est parti. Je suis resté concentré maintenant sur ce message. Donc, ce qui est sur en commentaire, vous aussi, vous allez voir le message. Pour ceux qui veulent y partir directement sur la page d'Achille Dicarlo, ils vont voir le post est là. Si là, il a supprimé même ou pas, forcément, il ne croit pas qu'il doit supprimer un truc comme ça, là, parce que ça ne sert à rien. Il a encore envoyé son message, donc c'est pour que les gens regardent ça. Il a fait ce message il y a de cela 16 heures de temps, comme vous voyez, écrit sur sa page. Donc, compresseur aussi, ce que je voulais dire alors, par rapport à l'affaire ici, c'est que il faut connaître que dans la team pédigiste, il y a les détracteurs, c'est-à-dire il y a les gens, quand ils ont une information par rapport à Fleur de Lys, ce qui est sûr, compresseur sera au courant. Il faut connaître qu'il y a la même chose dans la team de compresseur. Les gens là, qui sont déjà avec compresseur et en même temps pas avec compresseur. Donc, quand il y a un petit truc qui se passe autour de compresseur, Fleur de Lys sera au courant, forcément. Dans la team de Lolo Fondia, pareil. Tu la veux joueuse, pareil. Donc, quand la veuve joueuse était restée ici un jour et dit que compresseur n'a pas de logement, ça a commencé comme la blague. C'est parce qu'elle avait une information par des proches du compresseur. Vous voyez un peu. Le fil du temps, on peut dire qu'il savait que c'est vrai, compresseur n'a pas de logement. Élise Batane était venue ici sur la toile, dernièrement même d'ailleurs. Elle a recadré compresseur parce que c'est la vidéo de recadrement de compresseur là, qui met Élise Batane dans les problèmes avec la team TKC. Elle est venue dire à compresseur sur la toile comment il y a une petite information sur toi directement, tes détracteurs sont au courant. Il y a un petit truc, tes détracteurs sont au courant. Un petit truc. Donc, en parlant comme ça à compresseur, elle a dit à compresseur de revoir son entourage. Moi, je suis venu, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que ça chauffait que compresseur était parti au pays par le biais de Sylvie Tenier qui avait tout payé et tout et tout. Donc, ça a chauffé sur la toile. Et c'est comme ça qu'Élise Batante a fait sa sortie. Moi aussi, je suis venu défendre Élise Batante et dire qu'elle a quand même raison sur ce point parce que tout ce qu'il y a eu sur compresseur, ça a été avéré car compresseur après elle aussi était venue pour dire que oui c'était comme ça donc et voilà maintenant ce n'est plus comme ça et tout et tout et tout et tout pour vous dire que même Fleur de Lys si elle se lève pour venir dire que compresseur était tabassé et tout non même si on n'a pas tabassé compresseur c'est qu'il y a eu des échauffourées en quelque sorte il y a eu quelque chose peut-être un compresseur peut-être était avec un gars et il y a eu peut-être un mouvement et Achille peut-être, il aussi est arrivé, il a donné une gifle. La simple gifle, là, la personne qui était présente a envoyé les informations à la team PDG en disant qu'on a bastonné compresseur. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça aussi que, normalement, si en tant qu'on a giflé compresseur, j'agrandis la chose, j'ai dit à Fleur de Lys, elle va prendre ça comme bastonnade et tout et tout. Donc, ce qui est sûr, hein, il y a eu quelque chose. Durant la période où on était en train de parler de Pamela, la semaine dernière, toute la semaine on a parlé de Pamela, sur la toile, je voyais en commentaire, ailleurs même, les gens disaient, compresseur est où? J'ai même vu un post dans le journal de Stambrakata, sur une page Facebook,
où il a écrit ma perpétueuse. Parce que c'est vrai qu'en plus, on ne la voyait plus, on ne savait pas où elle était. Elle ne parlait pas de cette affaire. Donc, on dit que ce n'était pas son problème, c'est vrai. Mais c'était pas aussi le problème de plusieurs Tambrakata. Ça faisait la partie du Japap. Donc, n'importe qui pouvait se prononcer là. Compressor, en tant que le 10 de Facebook, comme on dit, la chancelière Compressor, normal pour aussi dire quelque chose. Même si elle ne disait pas quelque chose, Compressor avait du travail. Le travail de Compressor actuellement, c'est quoi? Elle a lancé un lichi parce qu'elle doit repartir au pays pour aider les enfants et tout, comme elle le fait. Ça veut dire que même si Compressor ne devait pas parler du deuil, elle devait venir sur la toile et renforcer son lichi, demander aux gens de cotiser. Chose qui n'a pas été faite. Donc, on a compris qu'il y avait quelque chose. Compressor avait dit sur sa page, elle faisait les directs après deux jours. Et c'est ce qui se passait. Mais elle a fait plus de 10 jours sans faire les directs. C'était inquiétant. Comme je disais là, les gens ont remarqué l'absence de Compressor. Donc, l'absence de Compressor là aussi a fait. Les détracteurs se sont posé des questions. Que, mais où est Compressor? C'est comme ça que je connais tel proche de Compressor qui est comme ça. J'écris au proche de Compressor. C'est comment là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Faut que le chancelier où? Même si le proche de Compressor ne va pas donner un bon truc, la personne peut dire Compressor est malade, non, Compressor a un petit problème et tout. Et c'est comme ça que c'est sorti d'un proche de Compressor que Compressor a été bastonné. La personne a peut-être agrandi les faits, mais comme je vous dis, il y a forcément eu un truc. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit parce que tout ce qu'on raconte sur la toile, personne n'était sur le lieu à part la personne qui a sorti l'information. Donc il faut aussi vous interroger. Compressor fait plus de 10 jours sans faire des directs. Mais il y a un problème. Donc, on dit, c'était l'affaire parmi la qui chauffait sur la toile, ça l'intéressait pas, c'était pas son problème et tout et tout. Oui, on comprend ça. Mais il y a un lichi en cours. N'oubliez pas que Compressor a mis un lichi en ligne parce qu'elle doit retourner au pays, je crois, au mois de juillet. Je crois bien, d'après ce qu'elle est en train de dire. Donc, pour faire à ce que le lichi monte de temps en temps, il faut faire la pub, il faut parler de ça. Il faut venir inventer même un sujet, montrer ses doigts que le gens s'en donne et tout et tout. Compressor ne l'a pas fait. Beaucoup d'interrogations. Moi-même, j'ai voulu faire un post là-dessus, cette période-là. Mais je ne l'ai pas voulu parce que les gens devaient venir peut-être raconter des trucs et insulter. Parfois, tu fais des posts, on vient insulter la personne pour rien. C'est comme si tu as créé seulement ça pour qu'on insulte la personne. J'ai laissé. Mais sur les pages Facebook, j'ai vu les trucs comme ça. Précisément, je vous ai dit, c'est dans le journal de Stambrakata. Même quand vous jouez, je faisais son direct pour pleurer parmi là, il y a des gens qui disaient Compressor est haut, machin, truc, les trucs comme ça là. Et quand vous jouez, j'ai même demandé dans une de ces vidéos que c'est vrai. Ou un gringa est haut, Ngoussa, tu es haut, machin, truc. Vous voyez un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Achille a répondu à Fleur de Lune. Ce n'est pas la première fois. Ça, c'est du réchauffé. Achille a toujours dit que Fleur de Lune lui avait écrit sur Messenger jusqu'à avait effacé ses messages. Vous pouvez aller vérifier sur sa page les anciens messages, c'est toujours là. Et qu'il n'avait jamais répondu. Donc, il n'a jamais dit exactement ce que Fleur de Lune avait écrit. Il a toujours dit que Fleur de Lune m'a écrit plusieurs fois sur Messenger, mais je n'ai jamais répondu. C'est tout. Donc, il demande à Fleur de Lune de laisser son nom et de combattre Compressor seul. Il précise, n'oubliez pas, je vous ai décrypté la deuxième partie du message là. La précision d'Achille, c'est que ça, c'est la confirmation de ce qu'on disait depuis, qu'il n'est plus rien avec Compressor. Il respecte la femme du genre. Par exemple, je prends juste un exemple banal. Hein, peut-être qu'il laisse ses photos même nues, mais même s'ils ont quel problème, il ne peut pas publier ça. C'est ce qu'il veut par là dire. Déjà, le message là. Que peut-être, même s'il a quoi sur Compressor, qui peut aider ses détracteurs à terminer avec elle. Le fait qu'il soit sorti avec la fille, elle était comme ça, machin, truc, il ne peut pas le faire. C'est ce qu'il dit. Donc, pour dire qu'il n'est plus rien avec elle, combat Compressor comme tu veux et laisse Gagounette en dehors de ça. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que je dois encore faire certaines petites recherches. Et ce qui est sûr, quand la chancelière Compressor va sortir, elle va nous dire ses vérités. Comme on a manqué le Japap là, le Japap va n'être que comme on tout condescend, il y aura le Japap. Donc, portez-vous bien et bon samedi à tout le monde.